7 à 5 la question santé d'Europe, hein, Thomas Soto. Avec le docteur Lemoine. En général, Jean-François, euh, vous êtes plutôt admiratif devant le fonctionnement du corps humain. Mais là, vous en avez après nos genoux, alors pas le genou de Claire que les cinéphiles amateurs d'Eric Romer apprécient, mais tous les autres qui ont une bonne capacité à nous pourrir l'existence. Bah oui, vous savez, en règle générale, je pense que la nature nous a plutôt bien servi, mais le genou est considérablement à rater la distribution. Tous les mécaniciens vous le diront, la jonction entre deux pièces mobiles est souvent source de problèmes. Alors que dire lorsqu'il s'agit de deux os, surtout, d'ailleurs s'ils sont trois, ce qui est le cas du genou, <laughs> la jonction du fémur au tibia et au péroné. Et visiblement, c'est un problème qui vient de loin, de très très loin. Bah, C'est la faute à notre premier ancêtre à s'être redressé. Hein. L'acquisition de la position verticale s'est faite en des milliers d'années. C'est sans doute dû à l'extrême complexité que cette position impose à notre genou. Car le bout de notre fémur est en équilibre extrêmement instable, portant tout le poids de notre corps sur une surface à peu près plane, qui est le plateau tibial. En résumé, le genou, c'est une bille en os qui est posée euh, sur un plateau pas très stable. Oui, mais il y a quand même la rotule, quand même. Elle, ah. elle sert bien à quelque chose, elle stabilise tout ça, non, docteur mon, mon professeur d'anatomie expliquait que la nature nous avait astucieusement ajouté la rotule pour nous éviter de tomber en avant. J'ai vraiment moi, jamais su si c'était vrai. Enfin, puis il faut ajouter, il y a d'autres choses dans le genou. Pour assouplir le contact fémur-tibia, il y a un ensemble de coussinets, un peu comme le feutre sur les marteaux d'un piano. Vous savez, c'est ce qu'on appelle ouais. les ménisques. Alors là, les ménisques, vous avez peut-être hurlé, mais moi j'ai l'impression que ça ne sert à rien. J'ai pas mal d'amis qui se sont fait opérer. On leur a enlevé les ménisques. Ils vont bien, merci. Hein, ça ne les empêche pas de vivre, ouais, voire ça, de galoper. Ils sont pas très bons au rock hein, parce que ça les rend un peu instables. Ça, pas. Cela dit, les causes de l'instabilité sont nombreuses parce que c'est comme le mât d'un bateau. Hein. Ça tient sur le pont avec euh, aubanage genou. Et bien, dans, dans, avec l'aubanage, dans le genou, ça se fait grâce aux ligaments croisés et, et latéraux. Les voiles, ce sont les muscles, les écoutes, les tendons qui solidifient ensemble. Et puis, comme c'est un très beau procédé mécanique, les zones de friction baignent dans un liquide qui aide le mouvement, que vous connaissez très bien, qu'on appelle le liquide synovial. Mais à vous entendre, on comprend facilement que les footballeurs, notamment, s'abîment souvent les genoux parce qu'ils ne sont pas très protégés. Or, il y a des contacts sur le terrain. On parlait de Falcao tout à l'heure, le monégasque qui s'est blessé mercredi en Coupe de France. Bah oui, il y a deux choses que le genou n'aime pas l'obésité, hein, qui lui fait porter en permanence des charges anormales et les mouvements brusques de rotation et les traumatismes à répétition. Si je reprends l'exemple du bateau, si une partie du gréement est fragilisée, et eh bien comme pour le mal, l'équilibre est, est, est rompu, il va se casser. Ça donne un paquet de problèmes médicaux que vous connaissez bien, hein, les ménisques abîmés, les épanchements de synovie, les ligaments détendus rompus, c'est ce qu'on appelle euh, les entorses, les tendinites et les fractures, euh, voilà tout ce que craint notre genou, et c'est vrai que cette articulation qui a tout pour être instable, je répète, est souvent la première à céder lorsque nos jambes font un mouvement anormal. On va terminer sur une note positive, les, les articulations des genoux, ce sont des articulations pour lesquelles les, les chirurgiens font des miracles, hein, Jean-François. Ouais, la France a toujours eu des stars du bistouri, comme le professeur Saillant qui a sauvé deux fois le genou de Ronaldo, pourtant en très mauvais état. Alors il y a une kyrielle de techniques de rabotage, consolidation, autogreffe. Grâce à l'imagination et le talent de nos chirurgiens, vous savez, la, la plupart des problèmes trouvent une solution mécanique. Merci beaucoup, Jean-François Lomane. On vous retrouve lundi et dimanche à 13h sur Europe 1, évidemment, pour votre rendez-vous hebdomadaire avec nos auditeurs. Merci.